Alors, dans cette vidéo, on va voir l'effet où on perd si on ne touche pas en fait une tuile. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas de problème, je touche. Si par contre, je tape à côté, ça ne marche pas. Je recommence. Et voilà. Donc, on va voir un petit peu comment faire cela. Vous allez voir que c'est relativement simple. Il suffit d'avoir une petite astuce. Alors, tout d'abord, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler nombre de clics. Alors, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais nombre de clics, ça me paraît pas mal. On commence à 0. Ok. Maintenant, on va dire à chaque fois qu'on clique, d'accord? Clic droit. Pas de problème, puisque c'est celui-là de toute façon qu'on utilise. Et quand on a démarré le jeu, donc dans ces cas-là, c'est la variable play, il faut qu'elle soit 1. D'accord? Je vous rappelle que quand on clique sur la tuile violette, on met setPlay à 1. Donc en fait, là, quand on clique et qu'on met et que play est à 1, on va faire quelque chose. On va ajouter 1 à nombre de clics. Donc là maintenant, si on débug, alors je vais essayer de vous le montrer ici. Alors, mes variables, elles sont où? Là, elles sont global variable. Là, si je lance, vous voyez que j'ai mon nombre de clics. Bon là j'ai perdu parce que... Hop. Et même si je clique là, j'ai des clics qui se font. Je vais m'amuser à perdre. Voilà. Donc j'étais rendu à 40 et quelques clics alors que j'avais pas touché 40 et quelques tuiles. Donc c'est de ce principe-là qu'on va faire. À chaque fois qu'on touche une tuile, on marque 10 points. Ça va nous aider. Pourquoi? Parce que du coup, là, on va comparer deux chiffres. On compare two values. La première, c'est nombre de clics. Donc, si nombre de clics est égal à score divisé par 10, parce qu'on marque 10 points, donc le but, c'est d'avoir un point, et ben c'est bon. Ok? Donc on continue. Maintenant, si c'est différent, et ben là, on va pouvoir recommencer le niveau et remettre les variables globales. Ok? Donc ça, on teste ça. Ça fonctionne nickel. Impeccable. Si je clique à côté, on recommence. L'astuce, elle est là. Il suffit d'enregistrer le nombre de clics dans une variable et après de comparer le nombre de clics avec le score divisé par le nombre de points que vous avez attribué. Si, je sais pas, moi, dans votre jeu, vous avez attribué, par exemple, au lieu de... Donc, alors, attendez. Là, voilà. Là, on ajoute 10. Au lieu que ça soit 10, c'est 5. Très bien, il suffit juste d'enlever en fait le bon nombre là ici. Donc voilà, donc c'est très très simple. Il n'y a pas besoin de faire autrement. Après, ce que vous pouvez peut-être vous amuser à faire, c'est de créer à l'endroit où vous avez cliqué, créer une tuile rouge par exemple. Oh, on peut s'amuser à faire ça. Alors je le fais en live, je ne l'ai pas du tout préparé, ça. On va s'amuser à ça. Donc on va créer un objet. Create objet. Ok. Alors c'est l'objet tuile. Et là c'est mouse X.
X. Ok, et là, mouse. Point Y. D'accord. Le problème, si on fait ça, il faut tout de suite sur la tuile mettre set frame à 1. On met ça là, on met ça là, on met un petit temps d'attente. Une seconde, ça devrait suffire. Et on va voir si ça fonctionne. Alors, je sais pas du tout là. Alors, ça fonctionne maintenant, c'est ultra rapide. C'est ultra rapide. On va mettre 3 secondes. Pourquoi c'est rapide comme ça? Ah, c'est parce que quand... y a un truc avec 7 frames, voilà, c'est ça. Et plus, avec 7 frames, on ressort 12. D'accord. Donc c'est là où il faut mettre une autre condition. Il faut mettre une autre condition. Si je crée une autre variable et que je mets dépasse et que je le mets à 0. Quand la recule. Mais je vais mettre aussi 7 dépasse à 1. Ok. Une fois que ça s'est tombé, c'est là. Ok. Et là, ici, on va comparer la variable dépasse est égal à 1. Ok. Là, dans ces cas-là, on va pas mettre cette dépasse et ça devrait fonctionner. Alors, on va voir. Voilà. Bon, par contre, il faut faire un système de stop. Ça me met pas à zéro, ça s'arrête pas tout. Alors qu'est-ce qui fait que ça arrête? Tout tout tout. Il y a un recul, ok. D'accord, mais on peut tout simplement, je pense qu'on peut tout simplement désactiver ici. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouh, ça en met partout du coup. Ah, faut faire qu'une fois par contre, hein, parce que sinon on remplit les choses. Donc là, ce qu'il faut, c'est hop, une fois. Alors pour faire une fois, on l'avait déjà vu, hein. C'était ça. Voilà. Ah, par contre, c'est les autres derrière qui apparaissent. Donc on peut peut-être diminuer. Le temps, ça peut être une solution.
ou d'arrêter en fait de créer des choses. Mais 0,5 c'est pas mal. Par contre, ça apparaît là où l'endroit de la souris. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça tombe dans la colonne. Ouais, après, c'est plus compliqué. C'est possible, mais faut trouver les valeurs. En fait, faut faire plusieurs sous-conditions. Si c'est entre ça et ça, bah c'est plutôt en X en fait. Hein. En Y, non, mais en X, si c'est la valeur entre 0 et 100, je sais plus. Je sais plus combien j'avais mis. Je crois que c'est là. Si c'est entre 0 et 180, bah là, on apparaît en 0. Si c'est entre 300 et 300. Voilà, en fait, c'est ce système-là qu'il faut faire. Donc je vais pas le faire, mais en tout cas vous avez compris le principe. J'ai quand même bien envie d'essayer, moi. J'ai quand même bien envie d'essayer. Donc, allez, c'est parti. J'ai trop envie d'essayer en fait. Is between value. Ok. Alors, entrer les valeurs, comparer. Si pourtant ça me paraît bien ça, mais ok, donc la valeur c'est mouse X par exemple. Ok, et si c'est entre 0 et 180. Ok. Donc ça c'est là. On create l'objet et pas là sur en X. On le met en 0. Done. Ça marche pas. Ok, donc on essaye ça. Alors, j'ai fait un double clic là, j'ai fait quelque chose qui allait pour là. Voilà, donc là ça fonctionne. Donc il suffit de faire ça pour toutes les valeurs. Vous faites même un copier-coller, hein. Ne vous embêtez pas, hein. Des copier-coller, hop, et là les valeurs, bah voilà, c'est entre 180 et 360. Là, entre 360 et 540. Ok, et le dernier entre 540 et 700. Non, pas du tout. 720. Ok. Et donc là, à chaque fois, donc là, on l'a mis à 0. Là, faut le mettre à 180. Là, faut le mettre à 360. Et là, faut le mettre à 540. On va voir ce que ça donne. Donc, ok. Donc c'est pas mal, ça fonctionne. Nos tuiles rouges apparaissent bien, pas en plein milieu, mais sur le truc. Bon, après, il faut arrêter toutes les choses, mais bon, on va voir. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager. Donc ça, vous voyez, ça c'est fait en live. Hein. J'avais pas du tout prévu de faire ça dans cette vidéo, mais pourquoi pas. Après, bon, je pense qu'il y a moyen
de raccourcir un peu le code. Ça, du coup, c'est une autre paire de manches. N'hésitez pas à partager autour de vous que créer des jeux de vidéo, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit d'avoir un petit peu de logique. Pas forcément être bon en maths, juste un petit peu de logique. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous du coup à la chaîne. Ça vous permet en fait de recevoir les news, en fait, bah, toutes les nouvelles vidéos que je fais qui peuvent vous intéresser. Et vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut si vous trouvez que le contenu est plutôt intéressant des vidéos. Ça m'encourage, ça me donne le sourire et ça me motive d'autant. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!